cientos de planes y quisiera gritar. Ils vont bientôt appeler Renata et elle, elle est comme ça, super calme. Oui, bah en fait, c'est moi qui ai les genoux qui tremblent de partout. Regardez ça, c'est... Oh, regardez, on dirait bien qu'elle va l'avoir son diplôme, n'est-ce pas? J'aimerais tellement être aussi confiante que cette petite. C'est vrai. Excusez-moi. Oui. Dans 5 minutes, l'examen professionnel de l'apprenti commencera. Renata Sanchez Vidal, elle est ici? Ah oui, c'est ici. Oui, oui, viens, ma fille, viens. Te demande, viens, mon amour. Te demande. Elle est là. Je suis tout à fait prête, mademoiselle. Je vais prévenir. Ok. Merci. Merci. Je vais prendre les places de devant pour nous et pour Eric, qui est toujours en retard. Oui. Oh, j'arrive, j'arrive. Allez-y. Allez-y. Merci. Bonne chance, bonne chance. Bien. Nous sommes seuls maintenant. Tu peux trembler sans que personne ne te voie. Oh, c'est pas vrai, papa. Tu me connais si oui, bien. Oui, oui. Beaucoup de gens pensent que je suis forte, confiante et même froide parce que je suis une scientifique, mais en fait, ils ont tort. Tout de suite, ce que je veux faire, c'est m'enfuir et pleurer, papa. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Mon père disait toujours qu'il faut être comme les roseaux, qui s'affaissent juste un peu pour qu'ils ne puissent pas être emportés par la tempête avec les racines. Alors, pleure autant que tu veux, mais continue de frapper fort autant que tu peux, parce que tu es exactement comme mon père. Oh, papa. Tu peux surmonter ça et tout ce qui se mettra sur ta route. Je t'aime. Je t'aime. Je suis si fier de toi. Merci, papa. Merci pour tout. C'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. Allez, il faut tenir la tête haute. Allons-y. Allez, tu peux tout réussir, oui. Ne l'oublie pas. Nous voulons toujours montrer aux autres une bonne image de nous. Mais tôt ou tard, il y a un détail qui nous trahit. Même si nous essayons de le cacher à tout prix pour ne pas ruiner cette image. Si tout le monde te dévisage comme ça, c'est parce qu'ils savent déjà que tu es la maîtresse de Monsieur Lisandro Mascaro. C'est mis infidèle. Regarde. Est-ce que t'as vu ça? Non. Elle là. J'ai seulement fait ce que je pensais être juste. Comment ça seulement? Ne te dénigre pas. Tu t'es méfié d'eux, tu as cru en ton instinct, tu t'es donné corps et âme pour enquêter sur eux. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu t'es donné tant de mal. Pourquoi tu as pris des initiatives sans que personne te l'ait demandé? Je ne me contente pas de faire mon travail et de rentrer chez moi. J'aime m'impliquer, m'engager et je suis reconnaissant envers ceux qui me font confiance et qui me soutiennent comme ton père. Nous te remercions beaucoup aussi, Mauro. Et la témoin, que lui est-il arrivé? Madame Hortensia, elle est rentrée chez elle malgré son arthrose. Elle a accepté de nous aider sans rien demander en retour et elle n'a même pas de travail. Pauvre femme, il doit être très difficile de gagner sa vie avec une telle maladie. Oui, oui. Et tout en vivant dans des conditions précaires, les Fonsetti se sont enrichis en utilisant son nom. Elle a été virée sans rien toucher. Eh bien, pourquoi ne pas l'aider? Nous pouvons lui donner un emploi dans le laboratoire le plus proche de son domicile. Madame Hortensia serait vraiment heureuse. Eh bien, on va le faire. Pourquoi t'as pas dit à ta mère que t'étais pas gay? Ma mère s'est faite à l'idée que j'étais gay. Et que donc je ne méritais pas son respect. Alors je vais lui laisser le temps de comprendre que ce n'est pas le cas. Mais ce serait pas mieux de... l'aider un peu, ça irait plus vite. Ma mère s'est fait tout un film à cause de ses préjugés. Vraiment, tu aurais vu la quantité de grossièreté qu'elle a dite à Samy. Vraiment, c'était affreux, je veux dire, c'était exagéré. Vraiment? Comment ça? C'était vraiment tendu, c'est ça, vraiment tendu, quoi. Et je veux dire, Samy est gay et il s'est défendu. Lui aussi, il a dit des choses, mais bon, il est parti super énervé, super blessé. Ah, c'est terrible. Tout à coup, les gens se font des idées sur d'autres personnes, oui. Et puis ils les traitent comme s'ils étaient pestiférés. Oui. Oh, pardonne-moi. C'est moche.
Parce que je pense que tu mérites des excuses. J'ai fait la même chose et je me suis fait des idées sur toi. Tu n'as pas à t'excuser, vraiment. Hé, mais je t'ai déjà dit deux fois que je t'aimais bien. Tu ne m'as rien dit du tout sur ce que toi, tu ressentais. Ah d'accord. Vous avez trouvé un endroit seul et vous m'avez rien dit. Moi, je m'ennuyais à mourir de mon côté. J'attends vos excuses. Désolée, Sœurette. Désolée, pardonne-moi. Ok, on fait un selfie? Ok, comme ça, tu me pardonnes. Oui. Ok. Un, deux, trois. C'était pas très agréable comme choc. Je suis vraiment désolée, j'avais pas réalisé, pardonne-moi. Bah non, t'inquiète pas non plus, c'est pas grave. J'ai survécu à d'autres chocs, pour être honnête. Imagine-moi. C'est un de ces chocs qui fait que je suis dans ce fauteuil à cette vitesse. Quoi, c'est le jeu de qui a le plus souffert dans la vie? Non, parce que si c'est le cas, je te le dis, t'as perdu, mec, hein. Ouais. Ah oui? T'es déjà vainqueur? Tenté. Ouais. Tu ne connais pas mon histoire. Tu connais la mienne? Tu ne connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. J'arrête de parler. Ah, tu ne veux plus parler? Kia, je t'entends pas, mais parle plus fort et peut-être que je pourrais. Non, quel beau sourire. Pourquoi tu tires cette tête alors que tu as un si beau sourire? Parce que j'ai pas d'amis. T'en veux un? Je me présente, la première. Gemma Corona, une Sonic Planète au grand cœur. Je rafale aussi les tamalèches. C'est un plaisir de rencontrer une jeune fille aussi sympathique. Ah oui? Arrêtez, merci beaucoup. C'est Rodrigo. Et je suis Eusebio, son grand-oncle. Ravi de vous rencontrer, c'est trop cool. Enchanté. Rodrigo? Tu vas pas le croire. J'étais juste à l'école en train de lire une histoire sur un héros qui porte le même nom que toi. C'était probablement une histoire de science-fiction. Il n'existe pas dans la vraie vie. Comment ça, les héros n'existent pas dans la vraie vie? J'en connais un, cher et un os, Dimitrio Pacheco, Dimi, un ami à moi, vraiment. Et il vient d'avoir un accident qu'il a laissé en fauteuil roulant. Et dans quelques minutes, il nous racontera ce qui lui est arrivé dans le groupe de parole. Tu veux venir? Ah, oh, eh bien, c'est gentil de demander, mais en fait, non, j'ai pas envie d'écouter parler en ce moment. Alors on va y aller, excuse-nous, merci. On y va, tonton? Je suis vraiment désolé, Gemma. Pardonne-lui, mais il traverse une période difficile. Bien sûr, je comprends. Et tonton, j'arrive. Pour Biogénélab. À votre santé. Merci beaucoup pour cette opportunité. Mauro, personne ne nous a officiellement présenté, alors je vais le faire. Je suis Brenda, la mère de Fabiola et Javier. Et l'épouse de Lisandro. Enchantée. De même. J'arrive toujours pas à croire que j'ai pu être fiancée à Claudio Fonsetti. Je pensais le connaître. Fais attention, même si tu penses connaître quelqu'un. D'un jour à l'autre, tout peut basculer. Il y a aussi des gens qui ne changent jamais. Peu importe à quel point ils essaient. Oh, les enfants, arrêtez. S'il vous plaît, ne nous fâchons pas. Ne devrions-nous pas aller à la réception avec le reste des invités? Oui. Tu as raison, maman. Allons-y. Javier, reste ici, je veux te parler. Eh bien, alors allons-y. Très bien. Excusez-moi. Aucun souci. Je t'ai accueilli à bras ouverts dans l'entreprise. Je me suis battu contre ta sœur pour te donner un poste de direction. Et depuis quelques jours, tu es de nouveau sur la défensive avec moi. Tu cherches un prétexte pour m'interroger. J'ai même l'impression que tu enquêtes sur moi. N'exagère pas, papa. Le fait est que je trouve étrange que cette fois, tu ne fasses rien pour m'éloigner du pays, de l'entreprise, ou bien de maman, comme tu as l'habitude. Arrête de jouer la victime, fiston. Je ne t'ai pas éloigné. Tu es parti à cause des problèmes dans lesquels tu t'es mis tout seul. Je te rappelle que tout ce que j'ai fait, c'était... Oui. C'était pour mon bien. Le centre de désintoxication, tout ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Mais ne crois pas que je sois rancunier, hein. Pas pour ça, et pas pour toutes ces années où maman t'a cru toi. Et pas moi, ce n'est pas une plainte, hein. Au contraire, je n'aurais pas le droit de me plaindre de ce père si responsable qui m'a éloigné de tout pour mon bien et qui m'a ouvert les portes de son entreprise. Merci beaucoup, papa. Fiston, je veux que tu saches que tu es très important pour moi. Oh, toi aussi, tu es très important pour moi. J'espère ne pas paraître paranoïaque, mais j'ai l'impression que tout le monde me dévisage. Ça ne m'étonnerait pas.
Ça fait tellement longtemps que tu n'es pas venu ici que tout le monde paraît surpris. Ils doivent être ravis de voir votre beau sourire, madame. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire à quel point je suis heureuse qu'il y ait des gens comme vous dans l'entreprise. Enfin, nous sommes d'accord sur quelque chose, maman. Je suis entièrement d'accord. Mauro est un type génial. C'est très con à ça. Oui, santé. Bonjour, bonjour. Ah, laisse-moi te présenter Monsieur Norberto Correa. Mauro Alvarez. Enchanté. Enchanté. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, Brenda. Tu es toujours aussi belle que quand je t'ai rencontrée. Eh bien, c'était il y a longtemps. Merci, Norberto. Tu es toujours si gentil, si agréable. Et pour que tu situes, Monsieur Norberto possède Labopharmax, un laboratoire pharmaceutique très important. Pas aussi grand et aussi important que Biogéné Lab, je dois dire. Je ne veux pas paraître prétentieuse, mais c'est vrai. Et avec des employés aussi brillants que Mauro, nous irons sûrement encore plus loin. Eh bien, en parlant de gens brillants, ça m'a toujours surpris le fait que tu ne te sois pas intéressé à cette entreprise si tu la possèdes, n'est-ce pas? Quelles études avez-vous faites? J'ai un diplôme en recherche biomédicale, mais ça fait longtemps que j'ai oublié ce que j'ai étudié. Je vais y aller, hein? Excusez-moi. C'est bon de te revoir. Un plaisir. Monsieur Norberto, continuez à profiter de la fête. Je ne serai pas loin. Oui, bien sûr. À bientôt, peut-être. Pardon. Enchanté. Et depuis combien de temps connais-tu Monsieur Correa? Lui et mes parents étaient amis depuis avant ma naissance. Tu te rends compte, Mauro, qu'après ce que tu as fait, tu as gagné la confiance de mon père? Je suis sûre qu'il va te récompenser avec quelque chose, une promotion. Tout ça, c'est très bien, mais... Je te rappelle que toi et moi, on a une discussion en cours. Je sais, mais ça, c'est à l'extérieur, n'est-ce pas? Ici, nous sommes patrons et employés. Tu te rappelles? Bien sûr, je me rappelle. Bon, je dois y aller, j'ai une affaire de famille à régler. À plus tard, patronne. J'ai réfléchi à propos de Renata et Mauro, qui seraient amants. Mais bon, je ne sais pas vraiment. Mais enfin, pourquoi elle nous le cacherait? Mauro est un bon garçon. Mm-hmm. Je serais très heureuse si notre fille se donnait une chance de tomber amoureuse à nouveau. Oh, mais moi aussi! Mais après ce qui s'est passé avec Alonso, ce n'est pas facile de retenter sa chance avec quelqu'un d'autre, non? Non, mais oui, tu as raison. C'est pourquoi on ne doit absolument rien dire du tout. Et s'il se passe quelque chose avec Mauro, elle saura quand nous l'annoncer, non? Ouais, ajoute ça au bouillon, Camilo. Regarde, tu vois. Mais vraiment, non, non, ce que tu portes va si bien. Et le collier, oh là, il est magnifique. Carmen, je sais très bien que tu me dis ça uniquement par gentillesse. Je ne suis pas très à l'aise ici. C'est pour ça que je veux partir. Oh, mais non, non, non. Écoute, entre nous, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu partes, car le devoir d'une épouse, c'est d'être avec son mari et de le soutenir. Tu vois? Bonjour, bonjour. Vous n'en voulez pas? Ah, non. Oh, ça, non. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais si! Oui, alors, oui. Seulement. Moi, deux. Ma chérie et le futur cosmétologue. Quand tu seras diplômée, j'espère que tu me donneras quelques conseils de beauté. Bien sûr que oui. Oh, ils ont bien arrangé l'endroit, tu ne trouves pas? Et en plus de commencer mes études, je travaille aussi en tant que conseiller en images dans une agence. On améliore le style de nos clients et c'est vraiment super au cas où ça vous intéresserait. Oh, comme c'est merveilleux. Je vais t'engager. Ok. Parce que j'aimerais que tu m'aides à me renouveler. Oh, ce serait avec plaisir. Pour l'instant, je suis au régime, hein. Oh, c'est bien ça. Oh, tu sais, moi aussi. Moi aussi, c'est toujours bon de faire un régime, n'est-ce pas? Oui. Ah, oui. J'ai besoin d'un changement radical. Vraiment, je serais très heureux de le faire. Eh bien, donne-moi ton numéro de téléphone, s'il te plaît. Attends, bien sûr que oui. Et voilà. Norberto, c'est pas l'endroit pour parler. C'est bon, parle-moi juste de la signature avec les Fonsetti. Pas de signature. Soudain, un ange est apparu et lui a sauvé la mise. Qu'est-ce que ça signifie? Mon cher Norberto, comment vas-tu? Bien, bien, merci, Lisandro. Je disais juste au revoir à ton fils. Félicitations pour ton inauguration. Merci. À plus tard, Javier. À plus tard. Méfie-toi de Norberto. Il n'est pas digne de confiance. Je pensais qu'il était ton ami. Pourquoi tu continues à l'inviter aux événements de l'entreprise, alors? Fiston. Il faut toujours garder ses ennemis proches. Oh.
Oh, tout était tellement... Oh là là, divin, monsieur Mascaro. L'événement a été un grand succès. Félicitations. Merci, Carmen. Ne seriez-vous pas la demoiselle qui traînait dans les couloirs l'autre jour? Eh oui, c'est moi, Dana Cruz, mais vous pouvez me tutoyer, vous savez, je ne suis pas encore une dame. Dana, tiens-toi bien. Mais je suis pas une dame. Oh, ne vous en faites pas. J'aime les gens qui ont le sens de l'humour. Eh bien, si vous voulez, on vous raccompagne avec le minibus. Oh non, non, on va vous faire un détour. On va prendre un verre maintenant, mais c'est très gentil de votre part, vraiment. J'accepterai bien aussi, monsieur Mascaro, mais je vais dans une autre direction. Où vous voulez, jeune homme. Carmen. Eh bien, si vous insistez, merci, oui. Oh, est-ce que je peux... On se voit demain, ma belle. Fais très attention, repose-toi. Allez, on y va. Eh bien, allons-y. J'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait taire. Oh, laisse-la tranquille. Je m'en fiche de pas prendre un bus pour rentrer, mais toi? Moi? Oui. Prenons-le ensemble. Allons-y. Ok. Est-ce que monsieur Mascaro a dit ton nom devant tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais nous avons déjà imaginé la belle fête que ça devait être. Ah, la bonne nourriture et les bonnes personnes bien apprêtées. Oui, oui, c'était un événement formel, je sais. Mais pour moi, c'est beaucoup de stress, je suis fatiguée. Eh bien, va dormir, ma chérie. Oh, je suis stressée pour l'opération de demain. Et j'ai aussi besoin de faire un petit somme. Mais c'est demain qu'il t'enlève toutes les ventricules que tu Quelles as là. Quelles ventricules? Des diverticules, Camilo. Et tu crois que tu peux faire un petit détour à l'hôpital, ma chérie? Oui, en fait, j'ai déjà demandé la permission de m'absenter demain afin de pouvoir te rejoindre. Oui. Et ils me l'ont donné. Vraiment, ce monsieur Mascaro est un chic type. Et tu es sa petite préférée. Je voudrais vous demander de ne plus dire ça, surtout devant les gens, car ils se font des idées, ils inventent et ensuite ils ne font que parler sur le dos des gens. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Oh, tu vois, les gens aiment parler. De toute façon, les seuls avis qui m'importent, ce sont les vôtres. Et je veux que vous sachiez que je ferai tout pour vous. Et nous aussi, pour ton frère et pour toi, ma chérie. Salut, salut tout le monde. Alors, mon fils? Quoi de neuf? Regardez ce que j'ai apporté. Oh, merci beaucoup. Enfin, tu nous sers à quelque chose. Merci. Merci, Eric. De rien. Regarde. Regarde ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Des haricots. Flageolets, oui. Et ta sauce pour la le salade. Ton. Je t'assure que c'était une urgence. Mais pourquoi tu n'es pas allé au groupe de parole? Parce que j'étais pas là? Bien sûr que non. C'est parce que ça m'amuse tellement de voir des personnes en fauteuil roulant que je ne voulais pas qu'elles me voient rire devant elles. Mais toi, parle-moi. Dis-moi ce qui était si urgent et dont tu devais t'occuper. Ça a un rapport avec Lisandro? Je préfère ne pas t'impliquer. Que tu le veuilles ou non, je suis déjà impliqué. Je vais prendre un bain. Un peu d'aide? Je peux le faire seul. Je n'ai pas besoin de te dire que ça l'a visiblement affecté quand tu as quitté le groupe de parole, n'est-ce pas? Oui, oui, je sais. Mais je devais aller témoigner. Cette fois, ça m'a permis de gagner définitivement la confiance de Lisandro. Avant que les parents ne reviennent avec le pain, parle-moi de ce... C'est quoi ce tremblement? Allez, dis-moi. Rien, vraiment. Non, ce sont les nerfs, regarde. Il y a une rumeur qui circule dans les laboratoires selon laquelle... Quoi, quelle rumeur? Tu sais ce qui me choque le plus? Les gens qui pensent que si une femme est reconnue, ce n'est pas grâce à son talent, mais parce qu'elle a couché avec la première personne qui se présentait. Ah, mais c'est ça d'être jolie. Et en plus de ça, intelligente. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Quoi? C'est quoi ce commentaire? Oh, ça va, je plaisante. Eh bien, c'est tout. Arrête, c'est pas drôle. Bon, d'accord, j'ai dit une bêtise. Non, je suis désolée. Non, 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 tu dois arrêter d'être un pauvre macho et devenir un gentleman. Au laboratoire, ils disent que je suis la maîtresse de monsieur Mascaro. Quoi? Si c'est Alonso qui a dit ça, je te jure que je vais aller lui casser la figure tout de suite. Non, non, tu lui casses rien du tout. Je sais pas d'où viennent les ragots, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que ça affecte mon travail. Je te jure, il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'une femme puisse coucher avec une personne juste pour les avantages. Et je panique à l'idée que monsieur Lisandro le découvre. Imagine un peu, je serais verte de honte devant lui. C'était bien d'avoir accompagné Carmen et sa petite fille. Cette petite est très gentille. Elle ne tient pas de sa mère, hein? Oh, Lisandro! Voir cette petite fille pleine de vie, je me dis que ce serait tellement beau que toi et moi puissions avoir un petit enfant.
Oui, je suis d'accord avec toi. Dana est très joyeuse et pleine d'esprit. Ah, comme c'est beau d'être jeune. Cette étape où tu ne t'inquiètes de rien. Pas comme moi qui ai passé un si mauvais moment cet après-midi. Pourquoi dis-tu cela, mon amour? Parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait avec horreur. Et bien sûr, c'était parce qu'ils m'ont vue comme ça, grosse. Toi, par contre, chaque jour, je te vois plus séduisant et en forme. Tout le monde te regarde avec admiration et respect. Mon amour, ne dis pas ça. Lisandro, ne le prends pas mal, mais j'ai remarqué des changements chez toi. Maintenant, tu utilises une autre lotion. Tu as acheté une autre cravate et elle est très différente de celle que tu portes en temps normal. Et tu es très jovial. Tu pourrais me dire si c'est pour quelque chose en particulier? Je pense que s'il parle de moi, c'est peut-être parce que je suis proche de Monsieur Mascaro, car il a été très attentionné envers mes parents, moi. Et bien sûr, à cause de la célèbre vidéo Miss Infidèle. Mais je ne crois pas que ce soit une raison pour aller inventer de tels ragots. Non, mais ça, c'est parce que les gens... Les gens? Oui, les gens ne seront absolument jamais contents. Ils vont toujours critiquer celui qui se démarque, et puis tu fais partie de ceux qui brillent, peu importe où ils vont. Arrête! Non, sérieusement. Tu sais que... je t'admire beaucoup. C'est ça, c'est ça. Non, c'est vrai. Écoute, c'est juste que je suis pas aussi brillant que toi. Et les gens pensent même que je leur raconte des bêtises quand je leur dis qu'on est frères et sœurs. Tant que toi et moi le savons, c'est bon, non? Bien. Et les parents aussi, bien sûr. Mais promets-moi de ne pas parler de ça aux parents. Je le jure. Je le jure sur la tête de Sanchez. Et je le jure sur la tête des Vidal. Ah. Ma chérie, dis-moi où tu veux en venir. J'en ai juste assez de mon eau de Cologne. Et puis j'aime porter d'autres cravates. Je ne pense pas que tu puisses dire que j'ai changé. Ne le prends pas comme ça. Je vois juste des changements et je trouve étrange que... Mon amour, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu exagères tout. Exagéré, moi? Oui. Tu ne disais pas qu'en 3 jours, tu as fait un régime qui avait marché et que tu avais perdu du poids? C'est impossible. Et n'exagère pas ces détails qui ne sont rien d'autre que des broutilles, qui n'ont aucune importance. Vraiment? Mon amour, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Faire un don d'organes, c'est donner la vie. Si vous voulez vous inscrire comme donneur volontaire ou si vous avez besoin d'une greffe, renseignez-vous sur la procédure à suivre. Vous êtes en difficulté? Appelez ces services d'aide, ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso y respetar.